Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Stade Passefé, qu'on connaît chaque jeudi, ou gain rendez-vous avec jeudi débat. Jeudi a ak invité nous pral gagner pour nous parler sur un sujet très important qui concerne sport en Haïti. Hans Lansen, président comité olympique haïtien, s'est invité nous dans en deuxième sortie jeudi débat. Bonsoir président. Bonsoir Kenson et bonsoir à tout le monde qui a perdu un petit temps dans jeudi. Je perdu un petit temps parce que m'espérer que je ne vais pas m'ennuyer les oreilles trop. Justement, jeudi, le sujet nous, c'est les contraintes qui sont liées à l'organisation Jeux Tokyo. Nous connaissons qui était fait l'année dernière, mais en raison de COVID-19, qui était reporté pour Anessa. Donc, c'est pour le 23 juillet, 8 août, du côté de Tokyo, Jeux Sayo pour le fait. Et contraintes Sayo, nous, surtout, et prend trois aspects là-dedans, économique, sanitaire, qui est lié directement à coronavirus là, mais également aspect diplomatique question, hein, parce que depuis introduction coronavirus là, nous avons un pile pays qui limité rentrée, mais également sortie sous territoire payo. D'abord, nous parlons ensemble aspect économique qui est lié à organisation Jeux Tokyo. Jodi a là, comment ça y est pour Haïti dans le cadre de participation? Je connais nous avons une douzaine d'athlètes, mais sur le plan économique, comment ça y est? La première chose, c'est que il est 23 août, ou 23 juillet ou 2 août, 13 heures de différence à Tokyo et pour Port-au-Prince. Donc, c'est comme cérémonie d'ouverture à fête de la soirée. Donc, pour Haïti, début le 22 juillet, il faut tout le monde parler pour commencer à regarder la télévision. Okay. Et la donne. Donc, il y a 12 heures de différence. Donc, il faut toujours 12-13 heures de temps différence, même 13 heures de temps, de faire regarder les. Donc, ça, c'est premièrement. La deuxième chose qui arrive, c'est que Tokyo, qui se va se faire en 2021, s'appelle toujours Tokyo 2020. Ah. Donc, nous avons avantage au point de vue économique. L'État haïtien, Tebanou, Yon, Kob, qui a été voté pour nous depuis l'époque que Lapin était premier ministre. Mm-hmm. Et cet argent est resté là. Seul bagage nous faire cobla que nous te banon dans good nous profiter que lorsque dollar te font BCA non gros nous changer dollar nous changer li et cobla là. Okay. Donc, l'équivalent de 30 millions de good nous avons partie qui en good toujours mais nous avons forte partie qui en dollar. Donc normalement nous pas gagner et problème pour participation. Okay. Participation de la délégation haïtienne à Tokyo. Nous avons l'autre problème. Un problème pour les éliminatoires. Hein. Après les éliminatoires, pas oublier que le rôle principal du comité olympique, c'est prendre les athlètes qualifiés pour les amener au jeu. Tout le temps, n'est pas qualifié, il est pourquoi sous contrôle. Il n'est pas sous responsabilité, non. Comme le pays, c'est un pays qui est relativement pauvre, le comité olympique aide certaines les fédérations qui sont engagées dans les jeux, les divers jeux. Que ce soit jeux olympiques ou bien encore jeux panaméricains ou jeux centra-américains ou jeux caraïbes ou jeux de la jeunesse, les déyo pour être capable d'aller dans la participation, dans l'éliminatoire. Yo. Mais ce n'est pas job nous de base. Okay. Donc, job qui pendant nous déjà paré pour lui. Ok, donc d'accord. C'est le athlète qui est fin qualifié. Right. Nous sommes capables de gagner un petit problème, c'est si malheureusement et c'est si heureusement, c'est si. Football a été qualifié. Malheureusement, efféminé l'année dernière, dans le dernier match, dans le dernier penalty, il a perdu. Il a perdu. Mm-hmm. Et Anessa, nous, ouais, ça a passé, je ne vais pas faire commenter sur lui, que nous sommes partis désorganisés. Et nous, malheureusement, l'équipe qui est capable de faire belle figure, nous pensons que nous éliminés et nous, le football sera absent à Tokyo. Alors qu'une telle chasse. Et chez les filles et chez les hommes pour nous dériver. Ok, maintenant, vous parlez de support, l'État tebanon qui est 30 millions de goudes, mais budget participation Haïti dans l'ensemble, c'est à combien lié? Lié à peu près comme ça, parce que nous allons avoir dans sa nouvelle à peu près une dizaine à une douzaine d'athlètes. Nous ne sommes pas capables de dire que c'est 10, nous ne sommes pas capables de dire que c'est 12, tout le temps n'est pas fini. Quels sont les athlètes qui sont sûrs, quelles sont les fédérations qui sont sûres. Il est certain que
le taekwondo a gagné un athlète qui qualifie. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a ballon invitation en plus? Moi pas connais, mais l'éliminatoire, il gagne un athlète qui qualifie. Le la natation, la Fédération haïtienne de sport aquatique inscrit deux athlètes. Donc je suis certain que a gagné les deux athlètes qui sont et qui vont avoir les invitations par universalité. Mm-hmm. Le l'athlétisme inscrit quatre athlètes. Mais commission technique du comité olympique pensait j'en ai là que athlétisme a gagné deux athlètes. Que vous qualifiez, que vous pas qualifié, de toute façon, il y a un minimum. Le comité olympique international, qui est en accord avec Fédération internationale d'athlétisme et commission tripartite, gagne au moins deux athlètes. Un garçon et une fille en athlétisme qui gagnent cap invité. Donc, nous gagnons déjà cinq athlètes okay. assurés. Maintenant, nous gagnons des athlètes qui vont en compétition, qui restent à aller en compétition. Moi, on va mentionner judo. Nous allons arriver là-dedans. Nous gagnons judo qui gagne deux athlètes qui en pole position de qualification. L'aime du pole position, c'est-à-dire que nous avons 9 chances sur 10 d'avoir deux athlètes. Mais nous avons au moins un athlète. Mais parce que vous bien situé, vous sac pas en dedans quota et sur les quotas et continental là, et premier monde en bas quota continental là. Donc n'importe qui match que vous gagnez dans quatre championnats pour jouer, c'est pour faire yo. Donc nous gagnons toutes les chances de la terre d'avoir deux athlètes en athlétisme, en judo. Nous gagnons boxe, qui gagne de très bons athlètes. Les types de boxe sont très positifs. Moi, deux en karaté. Très positifs. Moi-même, je mettais deux boxe. Okay. Mais comme ça dit, mon cher, moi, parce que c'est quatre pour mettre pour moi. D'accord, mais moi-même, moi, je suis toujours et je regarde et ce qui est faisable. Et qualifier quatre boxeurs, c'est beaucoup. Si je qualifie quatre boxeurs, c'est ma préfète. Maintenant, mais d'accord. Mais nous gagnons tout en haltérophilie. Nous gagnons haltérophilie. Nous avons deux athlètes qui parlent en compétition, parmi lesquels Lyon, qui est quand même de bon niveau, c'est Edouard Joseph, et qui déjà bat une médaille et consort, donc nous n'avons pas de problème pour ça la dernière. Et nous gagnons et tennis de table, qui est jeune, et c'est un jeune, mais il est bon, il n'est pas qualifié, mais je pense que c'est une très belle expérience pour Donica Saint-Fleur, qui est le chouchou du public haïtien. C'est un jeune qui n'a même pas encore 17 ans et qui est le champion national depuis 2-3 ans, qui fait des progrès énormes, qui est en train de cubain avec lui, qui a fait progresser. S'il n'est pas qualifié là, il a tout préparé lui pour aller, parce que juste après les Jeux de Tokyo, nous allons avoir les premiers Jeux de la jeunesse panaméricaine à Cali en septembre. Moi, j'ai deux questions pour très rapidement. Et qui t'aime finir avec Denea, on va continuer. Nous gagnons pour aussi, après la Cali, et il y a aussi le karaté qui est en lice. Le karaté, c'est nouveau pour le karaté, nous avons un bon karatéka, mais pas habitué sur scène internationale là, par contre, qui visage pas le bas nous exactement. Quel niveau gagne? Non, nous connaissons un niveau, mais le problème qui arrive quand tu n'as pas l'habitude sur la scène internationale, et ou un bon facteur qui peut être qui compte tout, donc nous pas garder ça à bail. OK. Maintenant pour athlète qui pas ici yo, ndare me connaît prise en charge à dans quel moment on prend yo et comment nous fait ça. Deuxièmement, délégation dans l'ensemble, combien moun Haïti a déplacé pour aller Tokyo et économiquement qui ça veut dire combien parti dans budget à voyage d'aller même la prend. Bon. Pour les athlètes qui sont à l'extérieur, la plupart des athlètes à l'extérieur sont déjà des boursiers olympiques. Donc c'est des athlètes que fédération yo choisit qui étaient à l'extérieur, gain qui vivent à l'extérieur, mais que de l'autre que vous voyez grâce à bourse olympique là, yo capable payer des stages permanents dans des centres où yo capable gagner un meilleur entraînement qu'en Haïti. Okay. D'accord. Donc yo gain boursier olympique, donc yo gagne on prise en charge faite par le comité olympique international. Donc faite par le comité olympique haïtien puisque c'est grâce au comité olympique haïtien que ça se fait. OK. Ensuite de cela, les athlètes, c'est par rapport à côté OIEA pour aller à Tokyo. Les billets de Tokyo commencent déjà à se vendre relativement cher. Donc, nous, pour
pour qu'on achète ticket parce que tout n'ont pas connu qui nous qualifie à pour connait qui le pour acheter ticket là nous pas qu'on foutre acheter ticket à connait mais dans notre budget nous mettait à peu près 4 500 à 5 000 $ pour un billet de voyage par athlète ou par délégué qui a pas accompagné athlète. Comment ça se passe? C'est simple. C'est difficile, c'est simple. Il y a des règles. Première année, ça n'a pas gagné invité. Tokyo va se jouer à peu près 25% de remplissement de stade, mais 25%, c'est 25% de résidents de la ville de Tokyo au Japon. Pas forcément 25% de Japonais à l'intérieur. Oui, oui, des résidents. Parce que vous voyez, dis-nous, que si nous gagnons des Haïtiens qui, à travers l'ambassade d'Haïti au Japon, qui est intéressé pour acheter tickets, il y a à Haïti un petit quota de vente de tickets. D'accord? Donc, mais, et c'est pour dire que, bon, peut-être que les tickets ont 10 000 tickets maximum parce que Haïti n'est pas un grand pays et c'est comme ça que l'il y a. Mais ce sont les règles du jeu. Quand c'était mon cap dans la délégation? Dans la délégation, on a gagné, premièrement, par rapport au nombre de qualifiés. La délégation est composée de 40%. Si vous avez 10 qualifiés, vous avez 4 personnes qui sont accompagnés. Okay. En plus de médecins, plus chef de mission avec attaché. Donc vous avez 3 personnes, l'attaché, le médecin et chef de mission. Notation, c'est dit officiel. Officiel, ça y est, c'est officiel que au bas où. Oui, oui, bien sûr. Indépendamment de quand c'est qualifié, right, etc. Ouais. Et qu'on y a lui-même. Ou gagner par rapport, si je gagne 10 personnes qui sont qualifiées, je gagne 4 athlètes. Si je gagne 10 personnes qui sont qualifiées dans 7 disciplines, je gagne 4 dirigeants. Je ne gagne pas 7 dirigeants. Parce que longtemps, j'étais toujours pris par fédération après fédération. Mais depuis Barranquilla, j'ai changé le mode. C'est 40% du nombre total que c'est. Et à Tokyo, c'est encore plus strict qu'avant. Donc, c'est ça qui fait que nous pas gagner des et nous pas capable gagner des invités. OK. Donc, en fédération qui gagne deux monde qui qualifie la donne qui pensait que et deux monde 40% vinn bo 0.8 comme 0.8 et sensiblement égal à 1. À 1 on pas gagner ça. On monde va gagner. OK. D'accord. Donc, pour sûr et certain en natation qui invite deux monde, il y a bien un seul monde qui pourra partir avec eux. Par contre, si c'est entraîneur, par contre, si c'est un dirigeant, ça vous voulez, c'est un monde qui partir avec eux. En athlétisme, pareil, si c'est deux monde qui qualifient, c'est un monde qui qualifie qui partir avec eux. Maintenant, on va voir par rapport à l'importance de l'entraîneur sur les autres qualifiés. Ouais, est-ce qu'il y a capable qui bon cap fait qui bon pas fait ça n'a pas fait et qui n'a pas fait par rapport à tout ça. Donc voici comment c'est et donc au total et puis ensuite tu as le secrétaire général et le président qui vont partir. On est ça pas gagné accompagnateur en général. Non, mais ça aussi des invités il y a bien. Vous êtes invité du comité olympique international même pas gagné droit gagner mon avec moi. En général les partis et les présidents secrétaire général de la partie président secrétaire général là gain droit mener madame yo ben mener un autre monde avec eux cap dominer même chemin avec eux année ça pas ça c'est le président tout seul le secrétaire général tout seul sans accompagnateur. OK, nous prenons le quitter et ça pas dans délégation ça c'est hors délégation que oui c'est des invités spéciaux c'est invités spéciaux parce que nous sommes membres comité olympique. OK, nous prenons le quitter aspect économique là mais est-ce que comité olympique international pas supporter nous économiquement au-delà de moyens pas nous moyens l'état ban nous est-ce que pas gagne une subvention de comité olympique international le comité olympique international par l'intermédiaire de Panam Sport qui est beaucoup plus proche de nous bail $120 000 à Nessa pour les jeux olympiques qui comprennent et ça à chaque association non à chaque association les $120 000 dans chaque zone panaméricain, pas tous les pays du monde. Okay. Une zone panaméricaine parce que Panam Sport gagne lui-même politique pas, il gagne rentrer pas lui, donc c'est une
association avec l'Europe qui considère un pays riche, beaucoup plus riche que l'Afrique, parce que il y a des grandes données que les Vasquez Rania qui lui-même qui était un peu de était bien managé, il était gagné des petits sponsors et tout le reste. Donc bah, chaque comité olympique $120,000 pour les jeux. Et d'été et d'hiver. OK. En général, il est toujours pour les jeux d'été, parce que pas jamais personne en jeux d'hiver. Mais la fédération de ski qui fait apparition. Et qui fait apparition, il était là déjà depuis quelques années, mais là, il paraît en grenègue sous nous. Il est qualifié, il était qualifié pour les jeux de la jeunesse. Il y a un là qui était blessé, donc son grain qui est allé, Mackinson Florendo qui est allé, qui est allé en jeu de la jeunesse. Et Kounia lui-même est déjà qualifié pour les jeux d'hiver, les Jeux Olympiques d'hiver qui vont avoir lieu à Beijing en février 2022. Donc, 120 000 ça, il y a parti la donne qui pour ski tout, pour les jeux d'hiver. Or, ce qui a gagné la dernière, ils ont qualifié déjà. Ils ont gagné deux autres mondes, une fille et un garçon. Donc, Céline Marty avec Mackinson, qui est toujours en qualification. Et en plus de cela, ils ont gagné deux autres athlètes qui n'ont ski de fond, qui sont presque qualifiés. Pabli, donc, il y a gagné jusqu'à quatre personnes dans la qualification. Bon, moi, docteur Lassen, qui intérêt, par exemple, nous gagner. Dans une discipline de ski, nous connaissons qui n'est pas capable de pratiquer en Haïti et que le comité olympique haïtien dépense quoi ou bien investit dans une discipline comme ça. Qui intérêt direct Haïti gagne dans une discipline comme ça? Malbon, jusqu'au moment où je te parle, là, le comité olympique haïtien n'a jamais dépensé un centime pour le ski. Oui, mais là, nous parlons. Le ski, c'est deux bagages différents. Le ski est une fédération qui agit en fédération à 100%. Les joueurs financement, les sponsoring, ils sont de la diaspora. Ils sont des enfants de la diaspora. Et la plupart des gens dont je parle là, dont je vais parler, ce sont des enfants qui ont été adoptés par des étrangers. C'est-à-dire que malheureusement pour nous, des enfants rejetés par leur mère, ils rejetés non, presque... pas forcément. Certaines fois. Nous pas rentrer dans le débat. Oui, nous pas besoin d'entrer là-dedans. Mais des enfants qui normalement auraient pu être chez eux en Haïti, mais qui ont été adoptés par des parents étrangers et à qui on a gardé les noms, les prénoms haïtiens qu'ils avaient. Donc c'est Richardson, c'est Stevenson, c'est Mackinson. Ce sont des prénoms qu'ils avaient dans les crèches. Et dont les parents ont décidé que ces enfants participent pour leur pays d'origine. C'est pas des petits monde qui étaient là qui parce que pas capable d'entrer dans telle catégorie, non. On avait eu le même cas dans Aviron avec la petite D'Amato. Nous les parents, ben, le papa mourit et puis bon, elle est découragée, elle ne participe plus, mais qui était commencé, qui était qualifié pour les jeux de Cuba, c'est encore là, des jeux de Pérou. De Pérou. On va parler, on va passer les Jeux Olympiques. Okay. Non, en attention, il était qualifié pour lui. Mais malheureusement, il n'a pas participé la dernière parce que il est papa devenu malade de ce genre, ensuite papa a venu mourir malheureusement. Et c'est pour te dire. Donc ça fait partie de catégorie moi-même que me considérer énormément sur catégorie d'haïtien pour lequel le pays n'a pas pu faire ce que le pays devait faire pour eux et que malgré tout yo voulait remettre pays à voulait montrer pays à que c'est haïtien tout à part entière. D'accord? Pour le ski, la fédération comme je l'ai dit, beaucoup j'aime la fédération ski ça, le comité olympique haïtien, pendant que moi-même, mon président, beaucoup j'aime signer un chèque pour balle okay. On good. Non. Seulement, si y a un athlète qui qualifié, nous sommes, d'un coup, il y a un athlète qui qualifié pour les jeux d'hiver de la jeunesse, nous sommes. By participation, tu as gagné un chef de mission qui est parti et nous sommes chef de mission perdu hier comme tout
toute bagarre qui fait. Le billet du chef de mission était payé par le Comité olympique international. Comme le billet sûrement de chef de mission quand une fête là, il y a gagné et un athlète qui a parti là, il y a gagné 2-3 billets que le Comité olympique international a pris en charge. Jusqu'à, il n'y a pas un billet en charge, donc il y a bon, l'ombre somme, ok, qui acte, qui pour les Jeux d'été, qui est exactement de $32,000, qui comprend le billet du président, le billet du secrétaire général, le billet de chef de mission, et sous qu'on va acheter plus avec lui, on va acheter plus avec lui. Okay. Donc, comme trois billets, ça, on a pris au bonheur, nous on a pris au déjà. Et malgré tout, l'arrivée est relativement haut, donc retenti reste. Et je ne sais pas si exactement, ce n'est pas mon comptable là. Mais je connais un résidu qui là et qui pourra le servir pour acheter peut-être un billet et demi. Ok, je vais quitter l'aspect économique là parce que nous parlé sur les très largement. Maintenant, en général, c'est le nœud de la guerre. Donc, okay. Si on ne peut pas parler de l'île, on va pas parler bien sûr. Maintenant, sur le plan sanitaire, qui ça, COVID-19, changé dans le jeu Tokyo là par rapport à Jeux Rio qui était fait en 2016 par exemple? En pile. Dis-nous de toi. C'est le jour et la nuit. La première chose qui arrive, c'est que il y a une première règle qui fait d'après l'athlète, c'est le plus important. L'athlète arrive 2-3 jours avant la compétition et doit pas laisser le village 2 jours après. Parce qu'avant, l'athlète pouvait arriver le premier jour ou bien 4 jours, 5 jours. Il y a test obligatoire. Il a commencé et puis il est parti jusqu'à la fin. La deuxième chose qui arrive, il y a un test obligatoire avant arriver. Il y a deux tests obligatoires avant d'arriver, PCR, ou un test obligatoire à l'aéroport même, et puis on va rentrer dans le village. Là. Il est limité, pas qu'à sortir à n'importe qui, ni quoi que ce soit. Et quand tu es au village, chaque 3 jours, tu as un test à faire. Donc tu arrives le jour ou le lendemain de ton. Ou arriver 3 jours avant, le jour même, presque, pour la compétition, ou un test encore pour faire. Et si ta compétition a duré par exemple 3-4 jours, pendant chaque fois qu'on fait compétition, chaque 3 jours pour faire. Et si vous positif pendant la période, si nous prenons époque pour un footballeur qui a pas arrêté et pas arrivé jusqu'en finale, la prendre à peu près, la commencer peut-être 2 jours avant compétition, avant ces moyens d'ouverture là, pour jusqu'au dernier jour. Donc pendant ces 15 ou 17 ou 18 jours, il y a à peu près 6 tests pour faire. Si le positif, il prend ni au voyage dans l'hôpital qui est dans le village là même. Okay. Parce qu'à l'intérieur même du village, il y a un hôpital. Maintenant, il est conseillé, fortement conseillé à tout le monde de se faire vacciner avant d'aller à Tokyo. À Tokyo. En Haïti, nous sommes dans les démarches. Nous gagnons un docteur, le médecin de la fédération, le médecin du comité olympique qui est en charge de la partie du comité olympique, qui est le médecin contact, qui est en contact tous les jours avec le système de COVID et de santé de Tokyo. Monsieur Gagné, au numéro de téléphone, avec WhatsApp et numéro et email, monsieur à n'importe qui leur est, monsieur posé, monsieur Kijamba n'a pas avancé, et nous sommes aussi en pourparler à cause de problèmes de vaccination avec le ministère de la santé publique. Pour ouais qui vient parce que pas de vaccin en Haïti pour l'instant, Haïti a rejeté le vaccin et AstraZeneca, qui vaccin pour capable bail. Le Comité olympique international nous a proposé que si nous pas de vaccin, il y a un vaccin chinois pour nous parce qu'il y a un vaccin chinois pour capable vous venir. Mais nous ne pouvons pas faire rentrer vaccin tout autant que le ministère de la santé publique pas bail OK pour vaccin. Ça sont décision étatique que c'est. Nous avons aussi d'autres contacts avec d'autres pays qui sont en train de voir ce qu'on peut faire pour nous. Nous aller plus loin, les athlètes qui sont aux États-Unis, nous sommes rentrés en contact avec le comité olympique américain, l'USOPC, et l'USOPC est d'accord pour que tout athlète haïtien qualifié ou invité depuis arrivé, il y a un papier attestant que vous faites l'île, que vous la donnez, et pour Tokyo, à recevoir vaccin, tant coup, c'était un athlète américain culté. Nous avons des athlètes qui sont en République dominicaine, qui s'entraînent en République dominicaine, et nous sommes entrés en contact avec le comité olympique dominicain qui a fait des démarches nécessaires pour que
tout athlète haïtien qualifié et qui fait, termine ses entraînements en République dominicaine soit vacciné en République dominicaine avec le vaccin, même vaccin que les athlètes dominicains. Si pas dans... Donc, c'est quelque chose que nous avons pris, excuse-moi, pas un problème. Quelque chose que nous prenons très au sérieux et que nous prenons très à l'avance et que nous gagnons deux équipes qui travaillent. Premièrement, nous avons équipe, trois équipes. Nous avons équipe technique qui travaille pour faire l'étude là, pour suivre tout athlète. Une équipe technique composée de Ralph Kernizan, Gérald Fong, Frédéric Fong, Maxime Auguste et puis Elie Manassé. Bon Mando, non. Ensuite, si par exemple, docteur Lassène, attends un instant. Si par exemple, pendant un athlète dans le village olympique, il était négatif avant, et puis pendant la participation, il a testé, il est positif. Est-ce qu'il a disqualifié? Il n'est pas disqualifié. Des pour positif, c'est un coup de match football. L'équipe football, de temps en temps, on n'est pas joué. Il prend, il veut aller, il veut pendant en quarantaine. On peut rester en dans village là pendant 14 jours jusqu'à ce qu'on négatif, on peut mettre au dehors. On peut pas participer. C'est les règles du jeu. C'est les règles du jeu. C'est que les Tokyo, ce sont des jeux spéciaux. Okay. Ce sont des jeux que obligé changer toutes règles là-dedans. D'accord. Il y a fait changer toutes règles na doping control. Il y a tout en liste. Donc les médecins qui sont en charge de commission médicale là, docteur Maxello Joseph, docteur Willy, docteur Oda, docteur Romel Jean-Pierre et Wilcox qui la donne tout et pas tout ba en tête point tout monsieur ça yo au courant parce que yo transmettre yo ba commission depuis recevoir message on transmettre ba commission yo courant exactement ça pour faire pour capable suivre athlète yo pas capable suivre tout athlète yo. Parce que c'est de petits comités, mais il y a suivi tout athlète qui est en compétition, puis au suivi, puis au capable de vivre là-dedans. Et en plus de cela, nous gagnons, comme dit, un médecin qui lui-même, le docteur Oda, qui est le médecin qui est en lésion permanente avec le système de COVID. Et lui-même, il travaille, quelque chose à ça gagne. L'année que nous recevons un message, il finit ce message-là, il voyait la commission médicale là. Et comme moi, sur la discussion médicale, là, tout moi, Lili, la dernière, pour qu'on s'est passé, si je suis un petit mot, je suis un petit mot, mais il y a une équipe qui l'a, une équipe de médecins qui l'a, qui peut suivre, parce qu'il faut pas travailler très au sérieux, nous ne pouvons pas les prendre. Ma bon exemple, où est-ce que ça passe l'équipe nationale U23. On n'est pas prendre au sérieux. Donc ça veut dire que ça n'est pas privé dans ce non! La gars avait pas tué Coco B. Et puis, Gombagay après moi comme chirurgien. Vous faites ouais une fois, vous n'avez pas de problème. Vous faites ouais deux fois, sans critère. Vous faites même ouais trois fois, ou sans nullité, quitter métier. Ok. Le arrivé, mais avant de temps, est-ce que sur le plan diplomatique, COVID-19 flag de bail changé, c'est-à-dire dans façon pour nous jeune visa, dans façon pour nous rentrer dans pays, est-ce que dans jeu Tokyo là nous pral jeune et des bagages qui différents par rapport à ça que fait déjà yo. Les jeux de Tokyo, l'accréditation et le visa. C'est avec accréditation à rentrer. On a un passeport, on pas besoin sous visa, sous passeport. On a avec passeport et puis accréditation. Le visa allait être pour les invités. Nous pas invité. OK. Il met tout invité dehors, pas invité cap parti. Donc nous pas de problème ça là-dedans. Y compris couverture médiatique, année ça pour Jeux Tokyo. Jeux Tokyo très difficile, yo gagné un ou deux, yo m'te dit tout nous te voyé une invitation by toutes les journalistes qui t'avaient participé yo pour yo capable faire inscription yo pour voir qui yo capable faire à travers le comité olympique pour pouvoir le faire. Et la plupart des grandes télévisions à travers le monde ont diminué presque de moitié le nombre de leurs présentateurs. Et je ne peux pas te dire exactement, et moi je connais que c'est un ou deux journalistes haïtiens que vous prenez comme pour vous faire couverture. Mais théoriquement, on peut avoir un peu plus, même pas qu'on ait ça. C'est chef de mission, hein, Madame Joseph, c'est elle qui est chef de mission, c'est elle qui a tout donné ça au nom de parce que nous connaissons que y a une difficulté pour pouvoir et inscrire les journalistes et en
tant que tel, parce que moi, dès que gagner de, par exemple, la plupart des interviews qui vont se faire avec les athlètes, même ça qui finit bien, il a fait une sorte de visioconférence. Visioconférence, ok. C'est pas gagner mon monde dans la salle encore pour faire l'inéco, mm-hmm. tout se fait en visioconférence. Ça veut dire, si on monte à l'aimer à regarder athlètes haïtiens, là, il est impossible pour jeter au cœur. Je ne pas parler de journalisme, je ne parle pas n'importe haïtien que tu as aimé à regarder. Non, le problème qui arrive, c'est-à-dire que il n'y aura pas de visiteurs. Ok. Sous pas résident japonais, tu ne peux pas avoir accès à l'intérieur des stades. Seuls les japonais et les résidents au Japon ont accès à l'intérieur des stades, et aussi les membres de la famille olympique, les membres de CIO qui et personnel et vraiment. Rappelez-nous qui la délégation a quitté le pays. Et pas oublier que délégation nous en multiforme, et moi dis au tout que les 3 jours avant et retourner 2 jours après. Okay. Donc, je ne sais pas si vous avez une grosse délégation qui a parti, mais nous sommes sûrs et certains que nous gagnons des athlètes qui seront dans Sayorile, le camp pré-olympique qui est organisé par Panam Sport. Et nous gagnons actuellement un athlète, nous avons fait des matchs pour un deuxième athlète. Et nous pourrons gagner les gens qui vont commencer au début, qui vont être là pour pouvoir participer au défilé de rentrée de jeu. Donc théoriquement, nous supposons gagner, il y a sûrement docteur Apma obligé de marcher, il y a chef de mission obligé de marcher, l'attaché obligé de marcher. Il se peut que moi-même, je descende dans le marché. Okay. Si j'accepte de descendre dans le marché, je ne peux pas gagner ces monde. Et nous pourrons gagner pour drapeau qui est peut-être un monde qui a plaio, parce que nous pas obligé. En général, nous devons choisir un pour drapeau qui est un monde qui a une médaille déjà. Mais là, les antigènes... Nous n'avons pas confiance sûr de qui est. Non, parce que les dernières règles ne sont pas encore... C'est jusque au début avril, début mai que nous pouvons gagner. Fin avril, début mai que nous pouvons gagner. Il y a règles définitives. Donc, pour nous connaître, est-ce que qui est fait partie avant? Parce que si mon a une compétition, par exemple, si son athlétiste lié, la compétition a fait en fin de série, parce que l'athlétiste, c'est la dernière semaine. Souvent, il y a les premières semaines, n'a pas oublié 3 jours après... Faut arriver 3 jours en compétition, donc faut un permis spécial que ça son athlète qui gagne droit là depuis avant, et puis avec les risques l'apnon milieu côté que les risques, même si c'est dans l'île négatif, mais les risques il y a Tokyo, okay. Les risques de positivité sont beaucoup plus grands, donc bah mon neuf on prend pile risque avant que la compétition, donc avec des risques de que les contaminer avant compétition. Voilà, c'est jeudi débat. Nous avons gagné avec nous comme invité et docteur Hans Larsen qui est président comité olympique haïtien. Nous sommes très contents de recevoir et nous avons gagné pile l'autre parole pour nous dire on l'autre fois encore pour l'autre émission. Lovely, c'est sport. Dès que j'ai du sport, dès que j'ai du comité olympique, moi Hans Larsen, je suis prêt et ouvert et ma prébétolie encore. Il n'y a pas de question tabou. Nous pas peur en quelle question tabou. Ah, parce que nous sommes pour la transparence absolue, sans limite. Merci tout le monde. Restez branchés, Télévision Pacifique.